Bonjour Nathalie Lucia, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Là maintenant, il y a 2 minutes, juste que j'ai eu un coup de téléphone avant, mais je viens de recevoir la box. Je vous montre pas parce que là, il y a plein d'étiquettes, il y a plein de trucs. Voilà, c'est le petit colis. Je suis trop contente. Vous voyez comment elle est maintenant. Je l'ai pas ouvert du tout encore aujourd'hui. D'habitude, je le pré-ouvre parce que je suis pas encore habituée que c'est ces boîtes, mais là, je crois que ça y est, on est habitué. Du coup, on ouvre. C'est comme Amazon maintenant. Faut tirer sur la languette. Et je l'ai eu en entier. Et du coup, elle se présente comme ceci. On voit pas ce qu'il y a. Il y a de la bouffe. Il y a de la bouffe. Bon. On a Maison du Colibri, une petite madeleine, comme ceci. On a une deuxième petite madeleine. Waouh! Et puis tout est là. Je voulais essayer de ne pas me spoiler, mais. Ça va, je ne suis pas spoilée. On a le petit marque-page. On a. La gazette du petit colis, avril, avec le petit vélo, tout mignon. Non, je me fais pas spoiler des livres. Non. Du coup, on a toujours les petites maisons d'édition. Là, on a le prochain coup de cœur. Ah, celui-là, je l'ai, je l'ai pas encore lu. Le lendemain, j'ai mon chat qui se lave à côté de moi. Oh, on a un petit coloriage. Voilà. Là, on a les petites madeleines. Ah, c'est deux madeleines différentes. Bah pour moi, on dirait que c'est deux les mêmes. Ah non, celle-ci, elle est. Plus, je sais pas si vous allez voir. Elle a l'air plus foncée. Voilà. Du coup, vous retrouvez dans votre petit colis d'avril de très belles madeleines gourmandes pour vous régaler. Pendant votre lecture, la maison Colibri, nous ne avons pas choisi nos propos. Les madeleines de qualité avec les produits essentiels. Circuit, je sais pas quoi. Cours de recettes, mots de My France. Et des produits sélectionnés par les meilleurs producteurs. Nous sélectionnons. Des recettes pur beurre et à la framboise. Ah, celle qui est un peu plus foncée, c'est d'autres la framboise. Et l'autre, c'est pur beurre. Voilà. Pour me toucher le printemps, on espère que vous les apprécierez. Voilà. En fait, il y a vraiment beaucoup de lectures. Voilà, il y a une page complètement de lecture. Voilà, voilà. Et là, maintenant, on a les livres. Bien et un gros et un petit. Du coup, je vais les prendre comme ça je me fais pas spoiler. Je prends celui-là. Oh, j'ai vu. Je suis déjà pas fan de la couverture. Je suis pas fan de la couverture. Oh, c'est écrit petit. Il faudra que je les remette. Il fait quand même 542 pages. Bon, j'ai pas lu du coup. Bergy, roman. C'est Lémonie Béraud. J'ai lu un coup de cœur. Voilà. Du coup, je voulais la quatrième de coup. Il a l'air long. Je vais lire qu'une partie là. Enfin, ça dépendra ce que. Mais si j'ai bien vu, il y en a plusieurs. J'ai vu où, hein? Je pense qu'il doit en avoir plusieurs. Je sais pas. J'ai l'impression de. Il faudra que je regarde. Alors, juillet 2017, à l'heure où la jeunesse britannique dépoile les concédances des Brigitte électroniques Justine. Dojas, que des noms, décide de faire du divorcé entrer
Angleterre et l'Union européenne. Son fonds ont commencé ainsi. Nebres commence une agence manitronomale. En fait, je vais pas vous lire parce que il y a les noms à trop compliqués. Je sais pas comment je pourrais vous faire. J'ai pas. Si je vous fais ça comme ça, voilà, vous faites pause et vous essayez de lire. J'attends. Voilà. Je ne sais pas. Oh, il y a un moment, j'ai cru qu'il y avait. Il n'était pas en français. Bon, du coup, c'est un livre qui est sorti en 2016, si je vois. Il est à 8,50. Prix France. Voilà. Alors, et l'autre? Le plus gros. Je vous le mets comme ça. 1, 2. J'espère qu'il a l'endroit. Ah. Ah, celui-là, par contre, c'est un tome 1. Épisode 1. Backstreet. Je crois que celui que j'avais mis dans mes recommandations. Il est trop beau. Backstreet. C'est comme ça que je dis. Antoinette. Épisode 1. Le livre de poche jeunesse. Dans la collection jeunesse. Oh, ils peuvent pas faire plus grand. Il n'y a que chez. Voilà. Celui-ci, il y a un petit résumé. Je crois que celui-là, ça va aller. Alors, je ne dois pas penser à Rosie. Je ne dois pas penser à un accident ni à l'hôpital. Je dois penser à mes études, à ma première année dans cette université, à ma vie, avec les colocations. Quoique, c'est-il bien raisonnable de penser à eux? Eva, si acceptant et Cameron si froide et méchante que le cauchemar t-il que ce cauchemar une simple rivale masculine ou un sombre histoire de bye boy. Voilà, la couverture est très belle. En tout cas, entre les deux livres, j'irai plus sur celui-ci. Mais non, celui-là, pourquoi pas essayer, c'est un coup de cœur. Par contre, avec l'étiquette là, en plein milieu. Ah, on sait le retirer. Moi, ouais, je vais pas le retirer quand même. Ouais, je ne sais pas. Ouais. Il est souple en plus. Il est... Flotchy. Je sais pas, pourquoi pas. Je regardais, mais il n'y a pas l'air d'avoir. Enfin, celui-ci, il a l'air mieux. J'aime mieux cette écriture que l'autre. Voilà. Ouais. Ah, il y a des chapitres. Ben, c'est simple si j'ai bien vu. C'est simple. Ouais. C'est simple. Mais celui-ci, je vois que c'est un tome 1. Du coup, il doit en avoir d'autres. Je pense qu'il doit en avoir 4 de ceux-là. Et celui-ci. Dites-moi lequel que vous préférez, vous. Je suis en même temps. J'accepte mon colis. Je vois ce roman-là. Il est là. Et j'ai vu. Je viens de voir qu'il y a des commentaires. C'est une merveille. Une plume drôle et efficace. Et succulent. Autant la couverture et la quatrième de couverture me faisaient de l'œil, autant je me suis ennuyée et j'en ai réussi à rentrer dans l'histoire, à m'attacher au personnage et j'ai tellement convenu d'aventure que j'ai abandonné. Il y en a une qui l'a abandonné et une qui l'a adoré. Bon, ben on verra ça. Je vais aller voir sur Livadict. Je vais les rentrer sur Livadict. Et voilà. Dites-moi un des deux. Lequel que vous préférez.
en commentaire. Et voilà, j'espère que pour cette petite ouverture de box qui ressemble plus à rien maintenant, avec deux petites madeleines, voilà, on goûtera ça et je vous tiendrai au courant sur Insta. Voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!